Ça y est, j'y suis. Alain, tu as un sujet en or, mon vieux. T'es prêt? Bon, les pigeons du parc qui disparaissent, là. Hein. Oui. C'est parce que tout fout le camp. C'est la perte des valeurs, mon vieux. Et l'oiseau, c'est quoi? C'est l'innocence, hein, l'oiseau. Et ici, attention, c'est l'innocence qui se tire. Et pourquoi est-ce qu'elle se tire, l'innocence? Parce que l'insécurité est partout. Attention, là. Toute grosse métaphore, ça. La perte de l'innocence, c'est ça? Ça, c'est ton sujet, Alain, attention. Hein. Souviens-toi de Rosebud dans Citizen Kane. Orson Welles, ça c'était quoi sinon la perte de l'innocence? Orson Welles. Bon, en tous les cas, merci Stéphane. Putain, là, mais comment tu fais ça? Bon. Faut grandir, Alain. Le monde croule de tous les côtés, tu vois. Nous, on est des témoins. On traque l'innocence perdue, tu comprends? Traqué. Tiens, voilà, ça c'est le mot-clé de ton reportage, ça. Traque, traqué. Avec ça, la chaîne sera hyper contente. Et toi, tu vas rendre les gens heureux. Ouais, Stéphane Gobert, écoute, excuse-moi. Ouais. Ok. Ouais, super. Bon, c'est bon, ça. Allez, on a un gros truc, là. Oui. L'enlèvement d'un ambassadeur russe. Incroyable. C'est un scoop volé à Canal 6. Les Boris, ce serait... Allez, les gars, on y va. Allô? Alain? On a un scoop. Écoute. Tu vois la tour en face du parc? Des catholiques bien baptisés qui ont vraiment pété les plombs. Ils jouent avec des explosifs et tout le bazar. Je te jure. Alors écoute, dans 5 minutes, je suis à la rédaction. Et dans une heure, t'as le sujet sur ton bureau. Qu'est-ce que t'en penses? 5 secondes. Petit rigolo. Un jour, ça te coûtera cher. Ça me coûte déjà. Qu'est-ce qui se passe? Ouais, ton histoire de Cato Barjo, Moïse, Noé, tout seul, hein? Énorme blague, hein? Tu croyais que j'allais rentrer dedans? Non, non. Gruber, il faut se le faire, cher. Bon. Et je vais te dire un truc, hein. Là, je reviens avec un reportage, et heureusement pour tes fesses, sur l'anniversaire d'une centenaire. Parce que tu vois, l'humour, le chef... Salut, Poum. C'est pas son truc! Excusez-moi, c'était la merde! De quoi il parlait, ce héros de Gruber, toi? Tu vas vite comprendre.